Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve afin de faire une petite présentation sur un petit planeur que j'ai commandé sur le site Dokibook. Donc, voici la boîte. Je l'ai déjà ouverte parce que je voulais voir si tout allait bien. C'est quand même un produit qui vient aussi de Chine. Donc, j'ai quand même voulu vérifier. Je l'ai commandé le 26 janvier. Malheureusement, je n'avais pas vu qu'ils étaient en vacances jusqu'au 5 février. Bon, j'ai attendu un petit peu. Ils l'ont expédié le 8 et je l'ai reçu le 10. Alors, petite anecdote. Malheureusement pour moi, je leur ai demandé un envoi normal. Donc, ils devaient mettre à peu près 10 jours à arriver. Et vu qu'ils étaient en vacances, qu'ils voulaient que leurs clients reçoivent rapidement leur Dokibook, ils ont envoyé en express. sauf que bonne surprise, qui dit express dit frais de douane. Donc j'ai payé 55 € le Dokibook et j'ai eu 24 € de frais de douane. Donc bon voilà, c'est la mauvaise surprise, mais bon. Tant pis, il est là. Bon, présentation. Alors déjà, ce que j'ai vu dans le colis. Donc j'ai reçu ceci. Donc c'est une petite perforatrice. Donc vous voyez, avec une petite coupe comme ça. En fait, c'est pour faire des feuilles repositionnables. Un peu comme dans les Happy Planner. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, la boîte. Alors, la boîte se présente comme ceci. C'est mignon, hein, c'est écrit Disque Agenda dessus. Voilà, donc à l'intérieur, pour celles qui connaissent, elles vont me dire « Mais il n'y a pas le papier autour. » Oui, c'est vrai, vu que je l'ai ouvert, je n'ai plus le papier. Mais bon, on fait quand même la présentation. Alors, donc voilà, donc c'est le Disque Agenda Diva. Il est rose gold, il est juste magnifique. Donc ça, c'est un format A5. Donc voilà. On va sortir la bête. Alors, donc voilà, comment il se présente. Donc voilà. Alors moi, j'ai pas pris le format avec anneau fixe. En fait, j'ai pris le format, vous allez voir, comme les anneaux des Happy Planner. Donc je trouvais ça plus original. Alors, voilà comment il se présente à l'intérieur. Il est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Donc vous voyez, il a les anneaux comme sur les Happy Planner. Donc il n'est pas fixe à la couverture, on peut l'enlever de la couverture complètement d'un coup. Voilà, donc on a la page de présentation. Alors, les inserts sont gold, elles sont toutes gold et blanches. Donc voilà, quand on l'ouvre, donc les infos personnelles. Et là, tout autour, on a donc les mois, voilà, qui défilent dans ce sens. Donc là, voilà, on continue. Donc on a l'année 2016, qui nous sert un peu plus à rien, mais c'est pas grave. 2017, 2018 et 2019. Donc ça permet d'avoir une vue assez loin. Alors, nous voici avec la première intercalaire de janvier. Alors, allez, c'est trop, trop beau. On va vers février. Voilà, c'est le mois de la Saint-Valentin, ils ont mis des petits cœurs. Mars. Avril. Mai. Juin. Simple. Juillet, août, voilà, novembre, pour bien nous rappeler l'automne. Et décembre, pour bien nous rappeler décembre. Donc voilà. Alors ensuite, comment se présente chaque
chaque mois en fait. Donc derrière l'insert on a une page comme ceci. Donc voilà, on marque avant le mois les événements importants, les objectifs, ce dont on doit se souvenir, les anniversaires. Voilà, donc là on a une vue mensuelle. Voilà. Et bien sûr ensuite les vues semaines. C'est très très joli. Donc voilà, c'est comme ça donc jusqu'à la fin. Et à la fin, on a quelques petits trucs en plus que je me remette dessus. Donc voilà, donc là on a des contacts, on peut mettre des contacts. On va le remettre droit. Donc des contacts. On a ce qu'il faut pour mettre des recettes. C'est pas trop mal. Voilà. Et ensuite on a des notes, des to-do list. Et puis voilà. Alors, dans l'ensemble, il est vraiment... Il est complet, il est beau, on sent qu'il est vraiment de bonne qualité. Moi, quand je l'ai reçu, il sentait un petit peu la colle, mais bon, rien de bien méchant. Et donc voilà, comme je vous disais, hop, on peut le sortir complètement de sa pochette. Donc ça peut être pratique. Et donc voilà, la petite présentation rapide du DokiBook Disque Agenda Rose Gold. Voilà, bon, cette vidéo est assez courte, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous ferai des vidéos dessus sur la déco. Voilà, donc j'espère que ma vidéo a été utile pour vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!